Je suis devenu entraîneur de Chacal cette année-ci. Avant, j'étais dans un autre club. J'ai jamais été joueur professionnel. En Belgique, il n'y en a pas, à ce que je sache. Mais j'ai joué avant, tout petit, en Tchéquie, donc en Tchécoslovaquie. Et ensuite, j'ai joué ici à Charleroi, dans le club de Charleroi, ainsi que de Montigny-sur-Sambre. Et j'étais goalie, donc gardien de but. Donc la SBL Chacal a été créée en 2002. À cette époque-là, il y avait un championnat loisir qui se déroulait à Bruxelles. J'ai repris le championnat, l'organisation complète, et on en est arrivé donc à créer la SBL grâce à ce championnat. Et maintenant, voilà, j'ai un club avec une centaine de joueurs de hockey sur glace, dont les Chacals et les Tigers. Cette année-ci, c'était une année je veux dire, de mise en forme. Pour la saison prochaine, j'espère que l'équipe sera dans le top 3. Et après, on va essayer de progresser, revenir à un niveau élite, comme on l'était il y a encore 5-6 ans, ici à Charleroi. Je pense que ça va aller, on va tout donner, ça va aller. Et la rencontre face au Tiger, c'est un petit peu une rencontre toujours spéciale. Ouais, il y a beaucoup d'anciens joueurs avec qui on a déjà joué, avec qui on s'entend bien, mais sur la glace, c'est pas la même chose. Un match très ouvert, donc je pense que les équipes ne vont pas s'observer trop longtemps et qu'on va chacun jouer le match pour gagner. Devant lui pour faire écran ou déviation, comme à l'entraînement. On a appris à se mettre à la ligne bleue et faire un relais. Et vous osez pas. Osez, s'il vous plaît. Ayez confiance en votre coéquipier. Moi, je suis désolé, Julien. Moi, quand je te vois traverser et que je vois quelqu'un à la bande bleue, parce qu'il n'a pas de jaune, mais bleu, et que tu as l'opportunité de lui faire un relais, de lui faire la passe, parce que lui, il a l'arrêt, il va te la faire. N'aie pas peur, fais-lui confiance.
J'ai senti beaucoup la pression quand on m'a désigné, parce que la faute n'avait pas été commise sur moi. Et c'est déjà la deuxième fois que je me trouve dans cette situation contre cette équipe, et c'est à chaque fois fort émouvant, et surtout ici. C'était vraiment comme dans les films, à la dernière minute, le dernier but décisif, et je suis super content. Donc le match a très mal commencé, disons on a été mené jusqu'à 3-1. Donc les garçons sont bien revenus dans ce match-là. J'ai toujours dit, et je tiens toujours à dire ça à mes joueurs, c'est que le match n'est jamais perdu tant qu'on n'a pas sifflé la dernière seconde.